tous, bonjour à toutes, c'est Gwendal. On se retrouve sur une présentation de mode, tout simplement. C'est le mode, alors je ne saurais pas vous dire le nom parce qu'il est assez compliqué. En tout cas, c'est stockage. Voilà, déjà si j'ai retenu ça, je suis bon. Stockage de quoi? En fait, tout simplement, c'est inclus sur la map de base. C'est pas... En gros, si vous avez déjà un truc sur la map de base, et bah ça va forcément être dessus. Alors, juste je vais vous présenter ce qu'il y a dans ce mode là. Tout simplement, dans ce mode là, il y a un liquide manure. Donc, en gros, manure c'est liquide. Liquide manure ça s'appelle du lisier en français. Liquide manure, manure c'est simplement fumier, enfin tout ce qui est un peu, ouais. Engrais issu d'excréments d'animaux, je pense que ça doit avoir une définition à peu près dans ce genre là. Donc avec un silo, on peut entrer dedans. En tout cas il est assez petit, donc après voilà, il n'y a pas besoin d'être très grand. Bon, il y a aussi donc voilà, donc alors tout simplement je vais voir ça plus intérieur, ça va être je vais mieux m'expliquer. Qu'est-ce que je... voilà. Tout simplement non, parce que derrière je vois une ombre, c'est peut-être un peu mieux. Tout simplement voilà, en fait on vide là, donc on passe en vide, et là, ça inclut tout simplement ça vide donc si voilà, on fait tout, puis ça vide bon. Bien sûr avec des remorques adaptées, hein, parce que les remorques du jeu n'acceptent pas ça. Donc straw, ça c'est la paille. Chaff, ça c'est le foin. Grace, ça c'est l'herbe, tout simplement. Donc l'herbe, vous mettez là. Voilà, on va voir le grand panneau après. Voilà. Et de l'autre côté, forage mix, c'est tout simplement du forage mix. Alors, c'est du... j'ai pas dit mon nom. Du mélange total. Et oui, voilà. Et du silage, donc c'est justement du silage de l'herbe ou du maïs fermenté. Voilà. Au silo déjà existant, ils ont rajouté un petit affichage numérique. Donc à tous, donc voilà. Donc là on s'est la contente des silos. Parce que regardez si je vous mon... Voilà, donc on peut voir par exemple dans le blé. On peut voir voilà 16 tonnes 22 et puis la 16 tonnes 22. En fait simplement ça prend sur le PDA, donc voilà, et là vous avez tout de répertorié. Tout répertorié, donc en litres, parce que tout est en litres, hein, bien sûr. Gondola, alors par contre, voilà, juste il y a des trucs que c'est pas forcément. C'est corn, ça c'est le maïs. Sugar bet, ça c'est des betteraves à sucre, c'est des betteraves sucrières. Potatoes, c'est les patates. Ganola. Ça doit être le colza. 8, c'est le blé. Et en dessous, Riley, c'est l'orge. Bon, on attend l'anglais de ouf. Alors ça, par contre, je trouve que c'est un truc vraiment bien. C'est tout simplement un truc à ensilage, fumier. Bon, pourquoi pas. Voilà, donc on vide le fumier là, puis après on se met là pour récolter. Et je trouve ça assez bien. Voilà, donc fin de présentation de ce petit mode. Bien sûr, le lien est en description de la vidéo. Bon, je vous ai juste oublié de parler d'un truc, c'est tout simplement les projos qui s'allument la nuit. Donc il y en a deux, il y en a un là, et il y en a... Non, il y en a trois, il y en a un là. Ouais, c'est vrai que je croyais qu'il y en avait deux. Donc voilà, trois projos. Donc qui s'allument la nuit, hein. Et qui s'éteignent le jour. À 6h. Voilà, donc merci à tous, le lien du mode est en description de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, continuez à me suivre et à plus tout le monde.